c'est une vidéo partenariat. J'ai été approchée par une boutique sur Amazon qui vend du diamond painting et qui m'a demandé de parler un peu de sa boutique. Voilà, donc bon, j'ai accepté. Hein. Bon, j'en fais pas beaucoup de partenariats. Et là, comme la personne avait vu que j'avais fait plusieurs vidéos sur ce sujet, et puis que j'avais un groupe également sur Facebook sur le diamond painting. Donc voilà, donc j'ai accepté. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa boutique, donc qui est sur Amazon. Bon, bien sûr, c'est une boutique qui se situe en Chine. Donc, il m'a... voilà, Fifi. Il m'a envoyé un kit pour vous montrer. Alors, par contre, il livre très, très vite. Parce que de temps que je reçois l'email, tout ça, j'ai reçu le kit en 8-10 jours. Voilà, et d'ailleurs sur son profil Amazon, c'est noté hein, qu'il livre en moyenne en une semaine, 10 jours. Et donc voilà, donc le vendeur sur Amazon, bon, c'est un nom chinois, mais bon, on va essayer de le prononcer, c'est Qidiang Shuang, voilà, bon, je ne sais pas si je prononce bien, hein. Mais bon, ça peut-être intéresser celles qui font du diamond painting, justement, puisque c'est quand même une livraison qui est un peu plus rapide que sur AliExpress. Je ne sais pas si lui a une boutique aussi sur AliExpress, ça j'en sais rien. Mais bon, sur Amazon, voilà, donc ses tarifs sont les mêmes que sur AliExpress, par contre. Donc, il n'y a pas de souci. Et sinon, pour les envois, ils sont de bonne qualité. Bon, là, j'ai enlevé l'enveloppe, hein, bien sûr, mais c'était dans une enveloppe bien emballée. Comme vous voyez, le kit était emballé en plus dans du papier bulle. Donc, je vais le retirer, voilà. Et il n'était pas du tout abîmé. Et là, donc avec, donc il m'a laissé sa petite carte, enfin il m'a mis sa petite carte dedans, mais bon, c'est écrit en anglais, donc c'est avec je pense que c'est avec un code pour avoir un dollar de remise, je crois. Mais bon, voilà, j'essaie de vous montrer. Voilà sa carte qu'il m'a mis. Je vais laisser un petit peu le temps que vous puissiez lire. J'espère que ça passe bien à la caméra. Voilà. Et derrière. Voilà. Mais je vous dis, bon, c'est écrit en anglais. Hein, donc, je ne peux pas vous le traduire. Désolée. Donc, c'est super bien emballé. Là, c'est un kit. Donc, c'est avec voilà, les fleurs. Il est pas mal, il est bien connu hein, celui-là, le kit avec les roses, le papillon. Donc là, c'est un kit plein avec des perles rondes. Donc les perles sont très bien emballées. Voilà. Elles sont numérotées sur les sachets. Vous voyez? Non, Fifi descend. Et donc, elles sont numérotées vous voyez, numéro 7, par exemple, numéro 10, numéro 9, voilà. Et on retrouve donc les numéros sur le côté. Il n'y a pas de feuilles comme certains, où on retrouve les... Bon, enfin, pour ce kit-là, hein, en tout cas, avec les numéros comme pour DMC, par exemple. Voilà. Donc, il y avait donc toutes les perles avec, donc ce sont des perles rondes, voilà. Et avec, j'ai eu, comme souvent, hein, on a le petit plateau, le petit carré de glue,
Voilà, rose. Et le petit stylo pour mettre les... pour mettre les perles. Voilà. Donc, c'est comme tous les autres, hein, ça, vous connaissez. Donc là, il est protégé avec un film transparent. Donc, que l'on retire un petit peu à la fois. Et je vous invite, à, pour celles qui ne connaissent pas le Diamond Painting, à vous reporter à mes toutes premières vidéos. C'est comme ça que j'ai ouvert ma chaîne. Donc, mes toutes premières vidéos, j'explique comment on fait le Diamond Painting. Et donc, vous voyez, là, il y a des... Là, c'est bon, on est dans le noir. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on colle les perles. Donc là, c'est déjà collant. Voilà. Vous voyez. Vous entendez? Et donc, on colle nos perles l'une à côté de l'autre. Ouais. Et donc, on retrouve les numéros des perles sur chaque couleur. Voilà. Ici. Donc, on n'a pas à se tromper ni rien. Et bon, c'est celles qui ne connaissent pas. Bon, c'est une activité qui est quand même assez prenante parce que... Enfin, pas prenante par le temps. C'est qu'une fois qu'on commence... souvent on devient un peu accro. Je vois bah, avec les filles qui sont sur mon groupe. Moi au début, bon, on en a fait beaucoup. Et moi après, c'est par manque de temps que j'ai arrêté. D'ailleurs, j'en ai toujours un à finir. Mais donc voilà. Donc ce vendeur m'a demandé de parler de lui. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc il livre très rapidement, hein, je vous dis en 8-10 jours, il livre, je vous mettrai un lien donc, de Amazon où, il y a de, où on peut choisir les différents tableaux qu'il vend, et donc voilà. Mais bon, il a l'air, ça a l'air d'être un vendeur sérieux parce que bon, je vous dis, bon, c'est lui qui m'a contacté. Et j'ai pas eu de soucis, il m'a contacté, il m'a... Ah ben voilà, il me restait encore un papier, c'était encore dans un papier à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dit, il me manque un plastique. Donc c'était encore dans un plastique. Voilà. Je savais bien que le kit était encore dans un plastique. Vous voyez, c'est super bien emballé, il n'y a aucun souci. Et malgré que ça vienne de Chine, c'était pas du tout abîmé, rien du tout. Hein. Mais bon, de toute façon, moi, j'ai jamais eu de problème pour mes envois qui viennent de Chine. Donc voilà. Je vous le recommande. Bon. Parce que bon, ben là, je vous dis, il m'a envoyé ce kit. Et c'est arrivé très rapidement. Donc bon, moi je verrai par la suite après, parce que là pour l'instant, moi j'ai pas du tout le temps, déjà d'une, de le faire, et de deux, bah, j'ai pas l'intention de commander tout de suite, hein, j'ai pas le temps. Donc, mais bon, je vous mets le lien, donc en barre d'infos. Sur le groupe, c'est pareil, je vais vous remettre le lien de ce vendeur. Et donc voilà. Donc bon, je suis contente et puis bon, ça fait toujours plaisir quand même de parler avec d'un vendeur qui m'a l'air sérieux. Donc voilà. M'a demandé de faire, je l'ai fait. Voilà. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Hein, c'était une petite vidéo bah, pas prévue. Je l'ai reçue aujourd'hui, donc j'ai fait ma vidéo tout de suite. Si Fifi veut bien me laisser la place. Et moi, je continue donc à faire mes cartons. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de toute façon pour d'autres vidéos. Le suivi de mon déménagement. Et vendredi, si tout va bien, je vous montre les cartes que j'ai reçues. Voilà, pour le concours. Allez, à très bientôt. Bisous. Soyez sages.